un hangar entièrement dévasté par les flammes hier soir sur la commune d'Offemont et le désarroi ce matin pour cet agriculteur qui a perdu l'intégralité de ses animaux dans l'incendie. Au total, près de 7000 volailles, poules, pintades et poussins. Un sinistre dont l'origine pourrait s'expliquer par les forts coups de vent de la nuit dernière. On voit bien qu'il y a une fenêtre qui est tombée, et puis c'est tombé pile au niveau où c'est qu'il y avait des systèmes de chauffage pour les poussins. Donc c'est ça qui a dû engendrer l'incendie à l'intérieur, quoi. Un feu qui a rapidement consumé l'ensemble de la structure. S'il y a une étincelle et puis qu'il y a quelque chose qui peut brûler en dessous, là c'est généralement qu'on met du copeau pour pas que ça brûle. Puis ça a dû faire une étincelle à un endroit sur les bottes de paille qui étaient stockées plus loin. Et puis ça en donnait ça, quoi. Un désastre pour cet éleveur qui compte relancer au plus tôt son exploitation. On va reconstruire différemment et puis, comme on dit, hein, il faut aller de l'avant maintenant. Hein. On n'a pas trop le choix. Hein.